L'adoption d'une loi de protection des lanceurs d'alerte au Sénégal a été le thème de discussion de PLAF, plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, lors de la conférence ce vendredi 10 mai à l'hôtel Novotel de Dakar. Alors aujourd'hui, nous avons voulu réunir la presse. Comme vous le savez très bien, que le président de la République avait émis le vœu de pouvoir doter le Sénégal d'une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Et durant le conseil de ministres, il a demandé au ministre de la Justice de pouvoir proposer un draft d'ici le 15 mai. Et nous avons, juste après cette annonce, écrit aux autorités afin de pouvoir rappeler les éléments essentiels que doit avoir une loi, notamment sur le signalement, notamment sur l'anonymat, la confidentialité. Est-ce qu'il doit y avoir une autorité qui doit s'occuper de signalement? Nous avons donc voulu aujourd'hui, parce que nous avons constaté au niveau de médias sociaux qu'il y avait un certain engouement sur la question et qu'il était important pour nous de pouvoir préciser ce que c'est un lanceur d'alerte afin de pouvoir lever toute ambiguïté qu'il y avait notamment sur les réseaux sociaux. Alors, qui est un lanceur d'alerte? Un lanceur d'alerte, c'est toute personne travaillant dans une organisation qui est témoin des activités illicites et illégales qu'il décide de pouvoir dénoncer dans le but de pouvoir provoquer un changement et de pouvoir mettre fin aux activités illicites dans son entreprise. Cette loi viendra déjà reconnaître c'est qui un lanceur d'alerte, pouvoir expliquer le processus de lanceur d'alerte, parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent dénoncer ne savent pas à qui pouvoir adresser leur dénonciation. Cette loi va pouvoir encadrer, et non seulement encadrer, mais leur accorder la protection qui doit aller au-delà même du lanceur d'alerte, mais qui doit également toucher aux proches du lanceur d'alerte. Cette loi doit comprendre plusieurs critères qui ne sont peut-être pas exhaustifs, mais pour lesquels nous avons pu relever ce qui était important, notamment en ce qui concerne une définition claire du statut de lanceur d'alerte, quel est le champ d'action du lancement d'alerte, quels sont les canaux des signalements qui vont être mis en place, est-ce qu'il y aura une autorité qui sera chargée de suivre les enquêtes, quelle est la protection qu'on accorde réellement, quelles sont les immunités qu'on accorde réellement aux lanceurs d'alerte, quelle est l'aide qu'on apporte réellement aux lanceurs d'alerte, qui peut être financière, qui peut être psychologique, et comment est-ce que cela va se faire très exactement. Ce sont les éléments que nous avons pu relever dans la lettre que nous avons adressée et que nous avons pu encore rappeler aujourd'hui dans cette conférence. La situation des lanceurs d'alerte, je pense qu'elle est déplorable dans la mesure où, malgré le fait que plusieurs pays ont pu signer cette convention des Nations Unies qui appelle à la protection de lanceurs d'alerte, on se retrouve uniquement avec 11 pays qui ont des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Et là encore, il y a des problèmes d'application de ces lois. Et parmi ces pays, il n'y a pas des pays francophones qui ont des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Ce qui fait que beaucoup de lanceurs d'alerte sont aujourd'hui exposés et sont contraints à l'exil, et deux fois ils sont tués à cause de leurs révélations en Afrique.